est à la lune, où la nuit, le marais s'assourdissait de l'appel des rainettes sortant de leur hibernation, où le jour, les poulains et les veaux apprenaient à marcher sous le regard attentif des mères. Partout, le jaune vif des iris bâtards éclaboussait la surface des étangs et maquillait les ribes de toutes les robines. Bruit, couleur, fragrance semblaient œuvrer au renouveau d'un monde qui se croyait déjà ancien. C'était comme un commencement, mais pourtant pas le début, car déjà, des hommes comme Johanan, Paul Coste et Serge Holtz avaient rencontré la Camargue et croisé Lou Marquès. Grâce à eux, le cinéma et la littérature entretenaient une vision romantique de l'Ouest américain. Le Wild West Show, par une grandiose mise en scène itinérante à travers toute l'Europe, faisait revivre l'épopée lointaine mais douloureuse du nouveau continent et de ses autochtones. Malgré des traditions régionales réhabilitées et remises au goût du jour, rapidement notre Sud s'était laissé séduire et coopter par ce nouveau style western envahissant. C'est ainsi que les premiers cabalaires français, Albert Lescot, Jean Calais et les frères Rauss, se présenteront en piste dans une tenue inspirée du Nouveau Monde. À Nîmes, en 1932, c'est grâce à une démonstration de charrière par un groupe de Mexicains que le goût du saut de cheval à cheval, El Paseo de la Muerte, va naître chez les Camarguais. Et les premiers à pratiquer cet exercice seront Émile Billaud, Albert Lescot et Pierre Sorel. C'est l'impresario taurin Joseph Calais, déjà sacré roi du Floréo, acrobatie à travers un lasso sur le dos d'un cheval, qui en 1936 donnera le coup d'envoi d'un premier rodéo camarguais à la française, auquel participeront Joe Morello, Roger Baranger, Joe Durand et les autres. Durant cette même époque, de l'autre côté de l'Atlantique, le show de Buffalo Bill, sous sa forme de spectacle historique, était progressivement détrôné par la formule du rodéo qui allait vite se transformer en compétition sportive à but lucratif. Dans le Delta, quelques décennies plus tard, pour la première fois eut lieu un véritable rodéo Made in America avec la participation des rudes cavaliers de Bob Est. Suite à l'engouement pour cette nouvelle mode, Denis Colomb de Donnant, au Mas de Cacharel, organisera une compétition amicale entre les fameux cowboys et les gardiens. Suite au succès de cette démonstration, c'est dans cette dynamique qu'un gardois, natif de Bellegarde, passionné de Camargue, s'engagera dans la promotion d'un rodéo complètement camarguais. C'était à la lune où les arbres chantent sous le vent et que les gens du Nord viennent en grand nombre à la conquête de nos plages.